Cette question-là m'a beaucoup interrogé, étant donné que dans ma vie de compositeur, j'essaye toujours d'avoir une dimension engagée, on va dire, dans les œuvres que je fais, c'est-à-dire qu'il y a toujours du texte et que la plupart du temps, ces textes ne sont pas là de façon anodine, sont souvent des textes justement qui interrogent la mémoire, qui portent un sens et qui nous demandent à réfléchir. La musique aussi, disons, par une certaine émotion, sur ces questions d'accueil, de déracinement, de rencontre de l'autre. C'est donc le quatrième projet que nous faisons ensemble et avec qui j'ai une affinité très importante au niveau de la pensée dramaturgique et de l'écriture poétique. Nous partageons aussi une sensibilité pour certains poètes du XXe siècle ou XXIe siècle qui ont aussi une écriture qui est mémorielle, on va dire ça comme ça, ou en tous les cas qui questionne l'histoire avec le grand H. Et notre travail commun, il est vraiment un travail dans lequel il y a cette frontière très subtile entre ce que le mot dit et ce que la musique dit par en faisant sien, en s'appropriant le mot. Et donc cela implique aussi une certaine intelligibilité au niveau de ce qui est chanté. Et donc une certaine écriture musicale, mais aussi une certaine écriture poétique.